Jésus comme notre roi. Nous n'avons point d'autre roi. C'est Jésus notre roi, le modèle parfait. Jésus notre roi. Et devant lui, tout autre Dieu doit être balayé. Tout ce qui peut s'appeler Dieu doit être balayé. Car Jésus seul est le Dieu. Jésus seul est Dieu. Jésus seul est Dieu. Jésus seul est roi. Devant lui, tout genou fléchit et toute langue confesse son nom. Devant lui, l'ennemi ne peut tenir. Devant lui, le féticheur ne peut tenir. Devant lui, quel sorcier peut se présenter? Il est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant et tout-suffisant. En lui habite toute la plénitude de Dieu. Alléluia! Que tous les autres noms soient balayés. Que tous les autres noms soient balayés. Les noms des maladies sont balayés. Les noms des épidémies sont balayés. Tout autre nom est balayé. Tout autre nom est balayé. Car Jésus est le seul nom qui est direct. Jésus doit régner, Jésus seul règne,
Gloire à Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus seul. Gloire à Jésus aussi. Des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le vivant. Tu es présent au milieu de nous. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sois honoré, sois loué, sois glorifié. Oh, merci. Merci d'avoir triomphé. Merci d'avoir rétabli ton règne dans nos cœurs. Merci pour ton règne dans l'Église et au travers de l'Église. Viens régner, viens régner, viens régner. Viens régner au milieu de nous et manifester ton règne au travers de nous. Par ton Esprit, le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça marche? Bravo. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Bienvenue à l'école pratique du Saint-Esprit, de la parole et de la prière. Nous sommes en train de voir, dans le cadre de la grâce de l'adoption, ce soir nous allons parler de la cause 5 et de sa solution, évidemment. Amen. Dis à quelqu'un, en Christ, il y a toujours des solutions. Quelle que soit, il y a la solution, n'est-ce pas? Vous le croyez? Alléluia. La cause 5, c'est le diable et ses anges. J'étais surpris de voir que le diable a ses anges à lui. Savez-vous que le diable a ses anges? Est-ce que vous le savez? Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour qui ? Pas seulement les anges, mais ses anges. » Que nous appelons communément l'enfer, a été préparé pour qui? Le diable et ses anges. Peut-être qu'il vaudrait mieux être. Alléluia. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. Malheureusement, certains hommes iront là-bas. N'oublions pas que nous sommes des plus que vainqueurs en vue du témoignage. Nous avons le mandat de minimiser, par la grâce de Dieu, le nombre de personnes qui iront en enfer. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est une grâce de pouvoir être des instruments par lesquels le Seigneur sauve? Alléluia. Combien d'âmes as-tu gagné cette année? Sans même compter les nombres que tu as gagnés, à combien as-tu
parler du Seigneur cette année. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. L'enfer a été préparé pour qui? Pour le diable et ses anges. Les esprits déchus, les esprits méchants, les esprits impurs, les démons sont des anges qui sont devenus les anges du diable. Et ils provoquent des maladies sur terre. C'est ce que nous allons voir après les autres causes que nous avons vues. Le diable et ses anges. Le diable et ses anges. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible. C'est qui? C'est Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui, y compris les dominations et les autorités que vous avez vues avec moi, n'est-ce pas? Chapitre 2, versets 14 à 15. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant où? À la croix. Il a dépouillé qui? Les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles où? À la croix. Alléluia. Avant de parler de ce que le diable peut faire, de ce que ces anges, c'est-à-dire les esprits impurs, les démons peuvent faire, prenons toujours la précaution de parler de la croix. Parce que parler du diable avant la croix n'est pas la même chose que de parler de lui après la croix. Alléluia! Si vous entendez quelqu'un parler de ce que les démons peuvent faire, demande-lui où il se situe dans le calendrier de Dieu. Dans quel temps il se trouve, dans quelle saison il se trouve, parce que c'est une question de temps, de saison, de là où on se situe dans le calendrier de Dieu. Nous pouvons dire certaines choses concernant les activités démoniaques avant la croix, et d'autres après la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il a fait quoi? Il les a dépouillés. Avant de les dépouiller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé toutes les preuves qui parlaient contre nous. Amen. Alléluia. C'est très important. C'est très important d'avoir cela à l'esprit. Grâce à la croix, Christ a effacé. Il y a des preuves contre chacun d'entre nous ici. Mais à la croix, Christ a effacé ça. C'est pour cela que le diable n'aime pas qu'on prêche la croix. Parce que la croix a deux facettes. D'une part, elle nous justifie des coupables qu'on était, d'autre part, elle condamne l'adversaire. À la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc là où la croix n'est pas prêchée, là où la victoire de la croix n'est pas acceptée, là où l'œuvre achevée de Christ n'est pas considérée,
Le diable peut agir avec ses anges. Notre seul argument, c'est la victoire de Jésus à la croix. Son triomphe sur l'ennemi et sur toute son armée. Amen. Alléluia. Nous sommes d'accord? Vous savez, quand une maladie est d'origine démoniaque, il n'y a rien à faire. Le remède, c'est la croix. Vous entendez? Le remède, c'est la croix. Et il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque. Mais, remettez la diapo. Puisque nous devons dire toute la vérité est que le diable et les démons ne sont pas à l'origine de toutes les maladies. Afin qu'il n'y ait pas de confusion. Chasser le diable là où il n'est pas ne va rimer à rien. Amen. Si une maladie n'est pas d'origine démoniaque, le fait de chasser les démons ne va pas apporter la guérison parce qu'ils n'en sont pas la cause. Nous avons besoin de discernement. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui m'emmène à la conclusion selon laquelle le diable et les démons ne sont pas à l'origine de toutes les maladies? Simplement les premières causes que nous avons citées, n'est-ce pas? Vous avez vu que toutes les causes que nous avons citées ne parlent pas du diable. Alléluia. Le péché originel, c'est la faute d'Adam. N'est-ce pas? Vous allez me dire, oui, Satan a tenté. Oui, Satan a tenté. Mais celui qui a fauté, c'est le diable. C'est Adam, c'est l'homme lui-même. Donc, toutes les maladies qui sont causées par le péché originel ne sont pas imputables au diable. Ok? Et donc, je fais un résumé rapidement. Nous avons vu la différence entre la guérison et la santé pour un enfant de Dieu. C'est que la santé, c'est la guérison entretenue. N'est-ce pas? Et que la guérison relève simplement de la foi. Mais la santé relève de quoi? De l'amour, de la sagesse, en plus de la foi. Pour demeurer en bonne santé, il faut d'abord croire qu'il est possible de rester en bonne santé, n'est-ce pas? Mais il faut ajouter à la foi une vie dans l'amour de Dieu, qui nous épargne de beaucoup de choses, et une vie dans la sagesse de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de voir. Les causes 1, 2 et 3 ne sont pas les causes imputables au diable, n'est-ce pas? Le péché originel, la séparation d'avec Dieu, ce n'est pas le diable, c'est la responsabilité de l'homme. Alléluia. Et la solution, ce n'est pas de chasser les démons, mais c'est la nouvelle naissance. Amen. La solution à la séparation d'avec Dieu, c'est la communion avec Dieu. La communion. La communion. Les actes de péché sont imputables à la nature charnelle. Alléluia. La nature charnelle elle-même. Regardez les opérations de la chair, les œuvres de la chair. Ce ne sont pas des possessions démoniaques, mais les œuvres de la chair. Et la solution, c'est la vie spirituelle, la vie et la marche par la foi. J'ai dit que c'est cela la vie normale d'un enfant de Dieu. Devenir un homme spirituel et cesser d'être un homme charnel. Alléluia. Plein de choses nous abandonnent simplement parce que nous devenons des hommes spirituels. Alléluia. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. La vérité que le Seigneur nous révèle ici nous affranchit des mauvaises habitudes qui peuvent nuire à notre santé. N'est-ce pas? Est-ce que beaucoup de choses ont changé dans ta vie? Sur le plan alimentaire, sur le plan de tes habitudes. Des choses ont changé? Mais oui. Il y a des hommes et des femmes qui pratiquent ces choses sans être en Christ. Et leur espérance de vie augmente.
Certains même se disent athées et ils atteignent 100 ans. Ils se moquent de Jésus tous les jours, mais ils respectent ses lois de la vie. Ils les respectent. Et donc ça compte ça, et c'est très important à savoir. Et le mercredi dernier, nous avons vu aussi que la quatrième cause, c'était le corps de l'homme qui est déchu et la création qui est déchue, n'est-ce pas? Ça encore, ce n'est pas le diable. Et la solution, c'est quoi? C'est le processus de la maturité spirituelle. Parce que la création tout entière attend quoi? La révélation du Fils de Dieu. Et j'ai fait un petit résumé. Il y a une chose que nous devons accepter, c'est que tout simplement nous devons glorifier Dieu, soit par notre vie ou par notre mort. C'est un résumé intéressant. Que ma vie glorifie le Seigneur et que ma mort aussi le glorifie. Je ne veux pas mourir d'une mort qui ne le glorifie pas. C'est tout. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois vivre par la foi tous les jours et dans une pleine espérance en attendant son retour. Je dois vivre dans la louange constamment. Je dois vivre au service de Dieu, de son royaume et de sa justice. Je dois vivre pour le bien de mon prochain. Amen. Nous avons vu l'exemple de Paul, n'est-ce pas? L'exemple de son compagnon pour lequel il a prié, qui s'appelle? Il s'appelle qui? Qui? Epaphras. Et puis, nous avons vu l'exemple de qui? De Dorcas. Que les veuves ont refusé d'enterrer. Nous ne savons pas qu'est-ce qui a causé sa maladie, mais nous savons qu'elle avait investi, nous voyons dans la parole de Dieu, qu'elle avait investi pour sa résurrection par les bonnes œuvres qu'elle faisait. Et cela a fait qu'elle a été ramenée à la vie. Alléluia. Donc, nous habitons un corps déchu. Il n'est pas encore transformé. Il sera transformé. La rédemption des corps aura lieu finalement. Au retour du Seigneur, à l'enlèvement. Ou bien à la résurrection de ceux qui seront morts en Christ. Mais en attendant, nous devons lutter et discipliner ce corps afin qu'il ne nous alourdisse pas et qu'il ne nous empêche pas de faire la moindre chose que Dieu attend de nous de faire chaque jour. Alléluia. La santé est quelque chose de précieux, n'est-ce pas? C'est vraiment précieux, pourquoi? Parce que quand on n'est pas en bonne santé, on est limité, même pour servir Dieu. On est limité. Donc nous devons discipliner ce corps afin qu'il ne nous empêche pas de vivre pour Dieu et pour le bien de notre prochain. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Ce corps est déchu, mais nous pouvons le discipliner par la foi. Nous pouvons le maîtriser par la foi. Nous devons l'entretenir dans la sagesse. Alléluia. C'est très important. Donc, allons-y maintenant. Le simple fait qu'il y ait d'autres causes des maladies qui ne soient pas imputables aux démons prouve que les démons ne sont pas la cause de toutes les maladies. Ok? Mais s'ils ne sont pas la cause de toutes les maladies, Jésus nous montre dans les Écritures qu'ils sont la cause de beaucoup de maladies. Les esprits méchants. Ils sont la cause de beaucoup de maladies. En Genèse chapitre 2, Dieu a dit à l'homme, Genèse 2, 15, 17, « Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. » Le serpent a entendu. Il a entendu.
Qu'est-ce que le diable fait? Il tire profit de la rébellion et de la désobéissance de l'homme. C'est ce que les démons font. Vous me suivez? Je parle à des chrétiens, ok? L'activité des démons n'est pas la même, n'a pas la même orientation dans l'église ou en dehors de l'église. Face à un enfant de Dieu, l'ennemi ne peut que tirer profit de sa rébellion ou de sa désobéissance ou de son incrédulité ou de son ignorance. Un enfant de Dieu qui aime Dieu, qui le craint, qui l'honore, ne peut pas souffrir d'une maladie causée par des démons. Et le peuple de Dieu dit quoi? Amen. Je recommence. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, qui honore Dieu, qui le craint, ne peut pas souffrir d'une maladie causée par un démon. Amen. Il ne peut pas. Par contre, il peut souffrir de cette maladie s'il se trouve dans la rébellion, dans la désobéissance, ou dans l'incrédulité, ou simplement dans l'ignorance. S'il y a des choses qui le concernent, dont il n'est pas au courant. C'est pour ça que nous enseignons les Écritures. Pourquoi? Afin que nous comprenions qu'est-ce que Christ a déjà accompli pour nous. Nous pouvons refuser toute maladie causée par des démons. Nous avons autorité. Alléluia. Amen. Vous le croyez? Amen. Vous connaissez l'histoire de Job? Allons-y, Job chapitre 1. Verset 18. Pendant que Pasteur Ndir nous enseignait le dimanche passé, quand il a fait allusion à Job, l'Esprit m'a posé une question. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour l'homme? Qu'est-ce qui est essentiel pour l'homme? Il suffit de voir la dernière chose que Dieu a permis au diable de toucher en ce qui concerne Job. Il a commencé par quoi, le diable? Il a commencé par quoi? Par ses biens. Ce n'est pas le plus important. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, mais ce n'est pas le plus important. Et vous voyez, la procédure montre, c'est parti. Dieu a donné la permission partant du moins important au plus important. Job 1, verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient. Nous voyons, la dernière chose la plus importante pour Job, c'était quoi? Ses enfants. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Mais tous ces mots qui sont là montrent que Satan n'avait aucun domaine dans lequel il pouvait tirer profit dans la vie de Job. N'est-ce pas? Aucun. Mais les enfants de Job ne vivraient pas comme leur papa. Et papa passait son temps à faire des sacrifices pour eux. Ça ne marche pas indéfiniment. La couverture parentale ne marche pas indéfiniment. Quand on devient adulte, on est responsable de nos actes. On peut être né
d'un pasteur, ou bien être la huitième génération d'une génération des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs. Mais notre libre arbitre compte. Et ça peut ouvrir la porte à l'ennemi. Vous avez remarqué que Job n'a pas eu besoin de la permission de Dieu pour atteindre les enfants de Job. Le diable, j'ai dit quoi? Le diable, merci, n'a pas eu besoin de la permission de Dieu pour atteindre les enfants de Job. Mais pour toucher au corps de Job lui-même, il fallait que Dieu le permette. Et Dieu a permis ça pour nous donner une leçon. Ne dis pas, je pense que ce que je suis en train de vivre, c'est Dieu qui a permis. Non, 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 Job a déjà fait ça pour nous. Ce que tu dois faire, c'est de dire, Satan, va-t'en. Enlève ta main là-bas et va-t'en. Ok? Verset 4. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Tu vois, il a l'expérience des hommes. Mais il n'a pas l'expérience des hommes qui sont intègres, droits, qui craignent Dieu et qui se détournent du mal. Des hommes de foi. Un homme de foi sait que sa vie est plus importante que tout ce qu'il possède. Il n'est pas prêt à vendre son âme pour les choses de ce monde. N'est-ce pas? Mais si tu es chrétien et qu'il y a un domaine où tu es prêt à te vendre pour cette chose, comment Dieu va faire pour que le diable ne te touche pas? Donc, les réalités sont là devant nous. Et je rends grâce à Dieu pour sa parole. Mais, verset 5, « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Dieu a dit, « D'accord, tu es sûr, on va voir. » Verset 6, « L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de pied jusqu'au... Il a maltraité la vie de cet homme, de la plante de pied jusqu'à la tête. Mais il n'avait pas le pouvoir de le tuer. Donc ça, c'est la première preuve biblique qui montre qu'une maladie peut venir du diable. N'est-ce pas? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il y a des maladies qui viennent du diable lui-même. Lui-même. Une autre preuve, c'est Jésus qui nous le montre abondamment dans son ministère sur la terre. Comment il a opéré sur la terre. Jean 10, 10, vous connaissez, n'est-ce pas? Qui dit que le diable, le voleur, ne vient que pour égorger et... Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 17. Affiche les versets. Matthieu 8, 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, chassa les esprits, et la fièvre la quitta. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Et la fièvre la quitta, puis il se leva et le... Ça veut dire que cette fièvre n'était pas d'origine démoniaque. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il guérit toutes les maladies. Qu'est-ce qu'il fait? Et... Ah! Oui, Jésus... La Bible est écrite de telle sorte que nous puissions tout comprendre dans la simplicité. Nous avons là dans le même lot de versets, Jésus qui guérit sans chasser les démons et Jésus qui guérit en chassant les esprits. N'est-ce pas? Parce que voici l'erreur que toi et moi pourrions commettre en marchant par la foi. Car la promesse d'imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris appartient à qui? À qui? À tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu, à tous les oints,
Non, à tous ceux qui croient au nom de Jésus. Alléluia. Donc, ça nous appartient à nous tous. Et vous répondez comment? Amen. Mais oui, il faut répondre. Ça appartient à nous tous. Mais ce n'est pas parce que tu as touché et qu'elle est guérie qu'il faut continuer à toucher. Si là, cette maladie est causée par un démon, toucher simplement ne suffit pas. Il faut déloger la cause. Et Jésus avait le discernement. Il marchait par l'esprit. Et quand tu marches par l'esprit, parfois tu ne comprends pas certaines choses, mais être soumis à l'esprit est magnifique. Et c'est très important. Et c'est à la portée de tous ceux qui croient au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous voyons là que c'est clair, n'est-ce pas? Avant de guérir les malades, Jésus a chassé les démons. Chapitre 9, verset 32-34. Chapitre 9, 32 et 34. Comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque, comment? Un quoi? Un démon muet? Hein? Un démon muet? Mais quoi? Un démoniaque muet, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un homme qui est muet parce qu'il est possédé d'un démon qui altère ses fonctions de langage. Et vous savez quoi? Il pourrait avoir une pseudo-explication scientifique. Vous savez ça? Le scanner peut montrer que quelque chose est atrophié. Là, vous savez, l'homme, dans son orgueil, cherche toujours à expliquer même des choses qui le dépassent. Mais le scanner divin, le don du discernement des esprits, voit qu'en fait, si ces fonctions-là sont atrophiées, c'est parce qu'il y a un démon qui passe toutes ses journées, ses nuits à boucher le conduit. C'est ça son travail. C'est, il est tellement méchant, d'accord? Il est prêt à être immobilisé 24 heures sur 24 pour empêcher à cet homme-là de parler. Qu'est-ce qui lui donne le courage? C'est sa méchanceté. Et là, il n'y a rien à faire. Aucune intervention chirurgicale ne va résoudre ça. Aucun comprimé ne va résoudre ça. Aucune science ne va résoudre ça. Mais quand le démon est chassé, qu'est-ce qui se passe? Verset 33. Le démon ayant été chassé. Vous avez vu ça? Qui sur la terre peut faire ça? Répondez-moi, on est à l'école. Qui sur la terre peut faire ça? Ce n'est pas une bonne réponse. Qui sur la terre peut faire ça? Moi. Parce que je crois en Jésus. Dis non, c'est les évangélistes qui peuvent faire ça. Ça, c'est ce que l'Église actuelle montre. Mais Dieu veut nous emmener plus loin. Alléluia. Amen. L'expérience de l'Église n'est pas au-dessus des Écritures. Vous m'entendez? L'expérience de l'Église n'est pas au-dessus des Écritures. Nous avons une vie chrétienne anormale. Vous entendez? Parce que ces choses-là appartiennent à tous ceux qui croient. Est-ce que tu peux chasser un démon? Voici ce que je déteste dans l'église pentecôtiste et évangélique d'aujourd'hui. Je déteste ça, je pèse rien mes mots, hein? Je déteste ça. Les chrétiens pentecôtistes et évangéliques ont la foi pour chasser les démons. Mais ils n'ont pas la foi pour guérir les muets. Si on emmène une personne ici qui est juste possédée, tout
tout le monde ici, enfin la plupart, pas tout le monde, la plupart aura le courage de dire « Au nom de Jésus, va-t'en !» Parce qu'il n'y a aucun problème physique. Mais si on emmène un autre démon, on dit « Il est muet parce qu'il y a un démon », peu de gens vont chasser le démon. Parce que peu d'entre nous croient que Dieu peut passer par eux pour guérir un muet. Revenons à Job. Job 1 là, non, ne reviens pas en affichant. L'ulcère malin là, c'est quoi? L'ulcère c'est quoi? Oui, mais physiquement c'est quoi? Pardon? Oui, le médecin parlait un peu, oui. Une érosion de la peau. D'accord? Donc ça peut être un problème de peau simplement. Maintenant, une ulcère malin, c'est quoi? Quand vous lisez très bien la Bible, d'accord? Dans certains cas, j'en parlerai à la septième cause. Si cette écriture avait été écrite à notre époque, on parlerait même de cancer. Mais les mots de l'époque étaient différents. On parlerait de tuberculose. On parlerait de tumeur. Mais Dieu n'est pas impressionné par la taille d'une maladie. Il n'est pas impressionné par ça. Le nom de Jésus n'est pas impressionné par le nom d'une maladie. C'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Parfois, il vaut mieux même avoir une petite culture scientifique pour que ta foi soit à l'aise. Vous m'entendez? Je connais une histoire, je ne l'ai pas vécue directement, mais ça s'est passé dans une église d'où je suis passé. Un jeune homme était maladif. Il avait une santé fragile, vraiment fragile. Et il faisait des crises assez bizarres. Et un jour, ils ont eu, comme le cas se répétait, ils l'ont amené aux cliniques universitaires chez nous, c'est le CHU, c'est là où on trouve les professeurs. Et un des professeurs l'a pris en charge. Et ils ont découvert que son cœur était au mauvais endroit. Le cœur se trouve où? À gauche, c'est ça? Elle n'est pas médecin pourtant, hein? La plupart d'entre vous, donc vous le savez, bravo, bravo. Et le médecin, le professeur a vu que son cœur était à droite. Et quand il est revenu, le médecin ne savait pas quoi faire. Le monsieur est revenu, le frère est revenu. Il a vu, moi je connais la personne qui a prié pour lui. C'était un frère, illettré. Il ne sait pas lire le français. Il ne sait pas parler français. Et il était en train d'apprendre à lire avec la Bible en Lingala. Pour vous dire quel était son niveau intellectuel. Et sa profession était cordonnier. Il était cordonnier. Mais zélé dans la prière et dans l'évangélisation. Quand il est revenu, il a trouvé ce frère-là. Parce qu'il dormait à l'église, il n'a pas de maison, il n'a pas de famille. Il dormait à l'église sur des bancs. Le frère est venu à l'église en train de pleurer, il priait tout seul en train de pleurer. Et l'autre frère, l'illettré, est venu, lui a demandé, il a dit non, on m'a dit que mon cœur est du mauvais côté. Il a imposé, au nom de Jésus, j'ordonne à ton cœur d'aller au bon endroit. Et ce miracle a déboussolé le prof. Le cœur s'est remis au bon endroit. Et le prof continue de dire, c'est pas possible. Le jeune dit, mais c'est possible. Ça, dit, c'est pas possible. Parce qu'il n'y avait pas que le cœur. Il y avait un désordre inter extraordinaire. Et la prière d'un illettré a remis tout dans l'ordre. Amen. Le truc, c'est que le frère ne comprenait pas toutes les implications de sa prière. Et il valait même mieux. Donc parfois, ne pas trop savoir, c'est bien. Ça aide.
Vous savez que tous ceux qui ont fait médecine ici ont du mal dans le domaine de la guérison miraculeuse. Ils ont du mal. Nous autres qui sommes naïfs, on coule plus facilement. Parce qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Ils ont du mal. Parce qu'ils voient les implications. Dieu est tout puissant. Vous savez, moi je fais les maths et les physiques. Donc de ce côté-là, je comprends mieux les choses. Il y a deux miracles impossibles qui sont dans la Bible. C'est que Josué a arrêté le soleil et la lune. C'est-à-dire qu'il a arrêté tout le système solaire. Il a immobilisé ça pendant toute une journée, le temps qu'il finisse le combat. Mais c'est astronomiquement impossible. OK? Alors Dieu, plus tard, parce qu'il a vu que certains scientifiques ont refusé de croire, il a fait un miracle encore plus grave. C'est que Ézéchias a inversé le cycle du système solaire. Il a fait pire ou mieux que Josué. Josué a fixé les choses, d'accord? Mais Ézéchias, la prière d'Ézéchias a fait pire, mieux. Ce qu'elle a fait, tu vois, ça allait comme ça. Il a dit stop, et puis fais ça de 15 degrés. C'est encore plus impossible que le premier cas impossible. Et Dieu a fait ça. Alors, quelqu'un qui connaît la physique, à cause des implications, il aura du mal à croire ça. Mais Dieu est tout puissant. Il est tout puissant pour faire ça. Alléluia. Donc, quand il y a un démon, chasse-le. Une tumeur cancéreuse, c'est ce que je voulais dire. Ça m'engage que moi, je pense que la maladie de Job ressemblait à un cancer. Ce n'est pas causé par l'écologie. Ce n'est pas causé par les aliments des OGM, comme on spécule aujourd'hui. Il y a une part de la vérité dedans. Mais là, c'était directement causé par le diable lui-même. Donc, ce n'est pas très difficile à guérir. J'attends votre réaction. Nous sommes sur la cause la plus simple de cette affaire. N'est-ce pas? C'est la cause la plus simple. Il suffit de dire tchou, au nom de Jésus, oust, comme un petit chien sale. Va-t'en au nom de Jésus, sors. Et il s'en va avec son cancer. Il s'en va avec son problème de surdité ou de cécité. C'est ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons un cas là où quelqu'un était muet. Pourquoi? Parce qu'il était possédé. Il dit jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Eh bien, c'est le commencement. Ne te limite pas à ce que tu as déjà vu. Si tu m'as jamais vu le faire, sois le premier. Moi aussi, je veux voir. Hein? Ne te limite pas à ce que tu as déjà vu. Le nom de Jésus ne regarde pas s'il y a un précédent, s'il y a un antécédent. Le nom de Jésus n'a rien à faire avec ça. Utilise-le par la foi et chasse cette maladie. Chasse ce problème au nom de Jésus. Alléluia. Verset 34. Mais les pharisiens dirent, voici une absurdité, c'est par le prince des démons qui chasse qui? Chapitre 12, verset 12. Matthieu 12, 12. Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et elle devint saine comme l'autre. Continuons. Les pharisiens, encore eux, sortirent et se consultèrent sur le moyen de le faire périr.
Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, absolument tous. Voici une chose que nous pouvons croire aussi. Quand nous avons des temps où nous prions pour les malades, alléluia, ayons la foi que pas la plupart va être guéris, mais qui? Tous. Et il en sera fait selon notre foi. Alléluia. Verset 16. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé à qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans la rue. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Alors, on lui amena qui? Ça veut dire quoi? La personne est aveugle et muet, pourquoi? Parce qu'il a un démon. C'est causé par un démon. Et il le guérit, de sorte que le muet... Ouais, c'est normal, non? Si c'est causé par ce démon, si le démon est chassé, qu'est-ce qui va se passer? Le problème est résolu à l'instant. Alléluia! Verset 23. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Il ne connaissait pas le diable. Ou bien vous trouvez ça logique? Ou bien quelque part dans un coin de votre tête, vous vous dites, si tu utilises la puissance du diable pour chasser un démon, le démon va obéir. Parce que Satan est son chef. Vous croyez ça? J'attends. Ah oui, j'attends. Si tu crois ça, il y a un problème quelque part. Tu crois ça? Est-ce qu'on peut chasser un démon au nom de Satan? Pourquoi on ne peut pas le faire? Mais Satan est leur chef. Allons-y, parlons un peu. Pourquoi on ne peut pas le faire? Je veux que quelqu'un dise. Répondez-moi, Satan. Oui? C'est Satan qui les a envoyés, oui? Pardon? Oui, mais si Satan est d'accord que ce démon-là s'en aille, oui? Oui, bien sûr, mais je dis, mais est-ce qu'un faux pasteur, comme on le raconte maintenant, ça circule tellement dans tous les réseaux sociaux, les mauvaises histoires-là, vous savez, le but c'est quoi? C'est d'affaiblir votre foi. Vous entendez? Pourquoi on ne relaye pas les bonnes choses des vrais pasteurs? Et toi aussi, tu transfères. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Est-ce qu'un faux pasteur peut chasser un démon au nom de Satan? Est-ce qu'un marabout peut chasser un démon au nom de Satan? Comment on va faire pour répondre à cette question? La réponse est dans la suite. Continuons. Calmez-vous maintenant. Écoutons le Seigneur. Écoutons le Seigneur. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit quoi? Toute ville ou une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Arrête-toi, arrêtons-nous là. Pourquoi Jésus dit ça? Si quelqu'un commence à chasser un démon au nom de Satan,
le royaume de Satan va s'auto-détruire. Parce que c'est un royaume organisé. D'accord? Regarde. Si nous avons un chef, d'accord? Il envoie l'un, il dit, va faire ça. Et puis il envoie l'autre, lui dit, ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ou bien tu n'as pas entendu le chef. Il dit, non, le chef m'envoie, te dit de ne pas faire. Et il dit, mais non, le chef m'a dit de le faire. Ça crée déjà un conflit entre eux. Il se dit, allons voir le chef. Les deux viennent voir le chef et le chef dit, oui, je lui ai vraiment dit de te dire de ne pas le faire. Et le premier dit, mais chef, tu m'avais dit de le faire. Et le chef dit, je suis ton chef. J'ai dit maintenant de ne pas le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire. Mais si demain le chef revient voir le premier et lui dit, va faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'a plus confiance en lui. Il n'a plus confiance en lui. Il y a quelque chose d'important que je veux dire ici. C'est pour ça que je reste là un peu, pour que vous compreniez. Vous entendez? Écoutez-moi. Aucun faux pasteur, aucun marabout ne peut chasser un démon au nom de Satan. Impossible. Sinon, ça va diviser le royaume. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut négocier. D'accord? Si Satan envoie un démon détruit ici, ok? Et que cette personne, consciente que son problème est spirituel, il va voir la mauvaise personne. Il ne va pas voir Jésus ou un serviteur de Jésus. Mais il va voir un faux serviteur. C'est ce que le diable voulait, que cette personne se détourne de Christ. Mais Satan ne peut pas dire au démon de partir. Sinon, son royaume est en danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va assurer la promotion de ce démon-là. Il va lui dire, fais pire. En règle générale, ça consiste en quoi que de faire pire? Il va lui dire, arrête de faire ce mal-là, parce qu'il m'a donné sa descendance. Donc le démon est en charge maintenant de toute une famille. C'est une promotion, n'est-ce pas? Et à cause de ça, il peut enlever ce problème. Mais l'enlever sans avoir mieux, impossible. Écoutez, est-ce que je suis votre pasteur? Je suis votre pasteur, pourquoi? Écoutez-moi maintenant. Si je suis ton pasteur, écoute-moi ce que je fais. Je ne clique jamais sur ces choses. Si tu es ma brebis, pourquoi tu cliques? Je ne clique pas. Hein? Comment je fais pour ne pas cliquer? Le titre, parce qu'il met toujours le titre. Je ne clique jamais. Ça va m'apporter quoi? Pourquoi tu cliques? Je ne clique jamais ça. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu pour discerner, n'est-ce pas? Mais l'onction qui est en vous, vous enseigne toutes choses. L'esprit de l'iniquité ne peut pas vous tromper. Si j'écoute un serviteur de Dieu et que je n'ai pas un mauvais témoignage intérieur quand j'ai écouté son message, parce que c'est comme ça sur YouTube, hein, tu es en train de l'écouter, sur la même page, on t'envoie d'autres critiques du même auteur. Je ne clique pas. Je n'ai pas besoin que YouTube me dise que quelqu'un sert Satan. YouTube... YouTube n'a pas le Saint-Esprit, c'est moi qui ai le Saint-Esprit. Non? Je n'ai pas besoin. Si moi, je n'ai pas le témoignage intérieur qu'il est faux,
Ce n'est pas ce que lui dit qui est vrai. Donc je ne cliquerai pas. Je ne clique pas. Hein? Je ne clique pas. Parce que le but, ce n'est pas de te dire ce que ce mauvais gars fait. Le but, c'est de semer la peur en toi. Tu vas commencer à avoir peur du surnaturel. C'est ça le but. Souvent on dit, ah, cet homme avait bien commencé. Il chassait les démons, il faisait des miracles. Et puis après, on apprend un scandale avéré, parce qu'il y a des scandales qui sont vrais. D'accord? Il y a des scandales qui sont vrais. Ce n'est même pas des rumeurs, c'est un fait. Mais ne remettez pas en cause tout ce qu'il a fait avant. Avant, il ne chassait pas les démons par Satan. C'est impossible. Jésus l'a déjà dit. Avant, il chassait les démons au nom de Jésus. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se compromette. Mais ce qu'il a fait avant était authentique. Vous m'entendez? Parce que le but, c'est de semer la peur, le doute, l'incrédulité. La plupart de bons chrétiens ne croient pas au surnaturel. Ils ne croient pas au surnaturel. Les phénomènes extraordinaires sont acceptables quand ça vient de Satan. Quand quelqu'un marche sur l'eau, c'est un fantôme. C'est les apôtres qui l'ont dit, des apôtres de Jésus. Tout apôtre qu'ils disaient, dans leur tête, vous voyez, ils ne sont pas encore renouvelés. Hein? Ils ont beau être apôtres. Jésus ne s'est pas trompé, n'est-ce pas? Il les a établis apôtres. Voici Jésus qui marche sur l'eau, parce qu'il voit un homme marcher sur l'eau, il dit c'est un fantôme. C'est-à-dire, quand le surnaturel vient du Satan, c'est possible. Quand ça vient de Dieu, on va analyser. Est-ce que... Comment ça? Entre Jésus et Satan, qu'est-ce qui est plus à qui est-ce que c'est plus facile de faire quelque chose que vous n'avez jamais vu? À Jésus. Vous voyez comment je passe pas? Parce que l'Esprit sait ce qui se passe. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Continuons. Quand tu confesses comme les pharisiens, vous savez qui sont les pharisiens? C'était des vrais croyants, des Écritures, mais des hypocrites et des ignorants, bloqués dans la tradition, tellement figés dans la tradition qu'ils n'ont pas pu reconnaître le Messie. Ce n'étaient pas des ignorants des Écritures. Verset 26. Verset 27. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi eux, ils seront vos juges. Il parle des disciples qu'il a envoyés déjà avant. Maintenant, regardez, c'est ça qui est crucial, c'est ce qui est crucial ici. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Arrêtons-nous d'abord là. Jésus chassait les démons par qui? C'est Jésus qui le dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est Jésus qui le dit. Jésus est là, il dit, c'est par l'Esprit de Dieu que lui, il chasse les démons. Mais en haut, Jésus a dit que vos fils seront vos juges, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils chassent aussi. Quand il dit vos fils, il parle de qui? Il parle des 12 apôtres et des 70 qu'il avait envoyés deux à deux, n'est-ce pas? Ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez maintenant, c'est très important. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur quand ils sont revenus? Seigneur, même les démons ne sont soumis comment? Par le Saint-Esprit? Affiche. Luc 10, 17.
C'est très important. C'est très important. Les 70 revinrent. Jésus avait combien d'apôtres? Est-ce que vous me suivez? Jésus avait combien d'apôtres? Ici, combien ont agi? Donc, il y avait 58 autres. N'est-ce pas? 58 personnes qui n'étaient pas apôtres. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une différence d'impact entre l'apôtre et les autres? Non. Non. Pour nous montrer à quel point ce n'est pas le ministère qui fait la différence et qui met à l'abri. Judas était un apôtre. Comment il a fini? Le fait que je sois pasteur ne me donne pas une position supérieure à vous envers les démons. Non. Ce qui compte, c'est quoi? Il dit, Seigneur, les démons même, vous entendez comment ils parlent? Qu'est-ce qu'ils disent? Les démons même, Seigneur. Mais qui sont? Qui sont les démons? Vous voyez le même, non? Quand ils ajoutent même, ça veut dire qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les démons même nous sont soumis comment? Par le Saint-Esprit. Non. Écoute, c'est ça qu'il faut maintenant comprendre, comment ça fonctionne. Ok? Jésus a chassé Satan et les démons par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il nous envoie les chasser par comment? C'est-à-dire quoi? Au nom de celui à qui obéit le Saint-Esprit. Vous entendez? Au nom de celui pour qui le Saint-Esprit travaille. Alléluia. Donc quand j'agis en ce nom-là, le Saint-Esprit entre en action. Le Saint-Esprit attend que moi j'ai confiance dans le nom. Parce que lui ne travaille que pour la promotion de ce nom. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On ne chasse pas les démons par l'onction. Non, l'onction sert à autre chose. En 2019, je ferai un séminaire sur les aspects de l'onction. Mais n'attendez pas d'avoir l'onction. Vous avez déjà la foi dans le nom. Si l'onction était suffisante, les hommes de l'Ancien Testament auraient chassé les démons. Non, c'est le nom. C'est le nom qui craignent. Tu crois au nom de Jésus? Alors laisse l'onction tranquille. Agis par la foi en ce nom. Parce que quand on mentionne ce nom, l'Esprit entre en action. Nous ne pouvons pas donner un ordre au Saint-Esprit. Personne ici ne peut donner un ordre au Saint-Esprit. Personne. Personne ici ne peut amener le Saint-Esprit à faire ce qu'il veut. Personne. Mais quand nous parlons de Jésus, à lui il agit. Pour la gloire de Jésus. Ok? Ok? Revenons. Matthieu 12, on s'était arrêté à quel verset? Vous allez voir à quel point c'est important. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Pourquoi? Parce que Satan a un royaume. Ok? Alléluia. Écoutez, les gens pensent que Satan c'est un bandit désordonné, désorganisé. Jésus lui-même ose dire que l'enfer, le feu éternel, a été préparé pour qui? Et ses anges. Les démons sont les anges de Satan. D'accord? Dans Éphésiens 6,
Paul explique que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Contre quoi? Les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a une organisation et une hiérarchie. C'est très organisé. D'accord? Si vous voulez maintenir l'unité quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un but, un plan et une organisation. Et quel est le but du diable? Jean 10:10. D'accord? Quel est son plan? Quelle est son organisation? Éphésiens 6. D'accord? Maintenant la question que je me suis posée longtemps, c'est, vous savez, si un homme, d'accord, lui-même peut être rebelle, au point de résister à l'autorité, les démons, ils sont comment? Ils sont pires que ça, n'est-ce pas? Comment est-ce que Satan fait pour faire régner l'ordre dans son royaume, alors qu'il n'y a aucune loyauté dans aucun démon? N'est-ce pas? Un démon est incapable d'être loyal, incapable d'être fidèle. Incapable. Qu'est-ce qu'il fait? Il maintient cet ordre en ayant un même but et en canalisant toute son armée par une même haine. Est-ce que vous savez que deux ennemis peuvent devenir amis quand ils découvrent qu'ils ont un ennemi commun? Non? Alors Satan, il dit, mais gars, écoutez, cette affaire-là, tu vois le garçon-là, ou bien cette fille-là, tu vois son style de vie, n'est-ce pas que tu détestes? Il dit, oui, et moi aussi je déteste comme toi. Alors, unissons-nous pour le détruire. Et ça, là, ça resserre les rangs. Une même haine, un même but, détruire. C'est avec ça qu'il les tient. Vous entendez? Donc c'est un royaume organisé. Pourquoi on résiste à l'évangile? Parce que quand vous êtes dans une maison, ou bien dans un endroit où Satan règne, ça veut dire qu'il y a un certain ordre, n'est-ce pas? Nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous percevons ça comme un désordre. Parce que tout ce qui n'est pas soumis à Jésus est un désordre, n'est-ce pas? Alors nous emmenons l'évangile. Quand tu parles à une seule âme, d'accord? Dans un endroit où il y a beaucoup de gens, ok? Je prie que le Saint-Esprit vous fasse comprendre cette parabole. Dans un endroit, il y a beaucoup de gens. Toi, tu n'as pas parlé de leur chef. Tu as parlé à une âme qui est en bas de la hiérarchie. Elle reçoit Jésus. Et on réagit contre toi. Pourquoi? Parce que le démon qui ne le contrôle plus va aller où? Ça crée un désordre. Il repart et dit, chef, tu m'avais dit de suivre tes ordres parce qu'on le déteste, nous deux. Voici quelqu'un de plus fort est venu me chasser. Tu étais où? Pourquoi tu ne m'as pas défendu? Si Satan ne lui trouve pas un autre job tout de suite, il va aller dire, hé les gars, le chef là nous trompe. Tout de suite, Satan va lui assurer une promotion. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais mon point, c'est que le royaume de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, continuons. Pour que tu ne cliques plus jamais ces choses-là. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison.
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi... Toi, tu dis, je clique, hein? Je reste neutre. Tu ne réagis pas contre celui qui discrédite l'Évangile. D'accord? Parce que Jésus, avec Jésus, il ne faut pas être neutre. Hein? Dès que tu es neutre, pour lui, tu te comportes comme un ennemi. Continuons. C'est pourquoi. Vous voyez, quand il dit c'est pourquoi, il veut dire quoi? La conclusion est ici, hein? Parce que tout ce qui procède était pour nous emmener là. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point. Hein? Donc Jésus est en train de dire ceci. Quand lui, il a chassé un démon par la puissance du Saint-Esprit. Regardez en quoi c'est intéressant. Jésus ne fait que parler. D'accord? Mais la puissance qui agit est celle du Saint-Esprit. Et ceux qui croient en son nom ne font que parler. Et la puissance qui agit est celle du Saint-Esprit. Maintenant, si Jésus a chassé et les gens viennent dire que c'est par Satan qui fait ça, qui va se fâcher? C'est celui qui a agi, n'est-ce pas? C'est s'opposer au Saint-Esprit. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est attribuer à Satan un miracle que le Saint-Esprit a accompli. Et dit là, ce péché ne sera pas pardonné aux hommes. Mais pour détendre quelqu'un, il parle aux pharisiens qui n'étaient pas des ignorants, qui savaient tout ce que le Messie allait faire. Et quand le Messie est venu, ils auraient dû le reconnaître par ses œuvres. Donc si tu as parlé avant alors que tu n'étais pas ignorant, à partir de cet instant, tu m'entends? Tu es comment à partir de cet instant? Tu sais maintenant. Si tu tiens ton âme, qu'est-ce que tu dois faire? À partir de maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te tais. Ok? Ok? C'est clair pour tout le monde? Oui. Maintenant, voici la conclusion. Exode 23. Nous allons relier ça. À partir du verset 20, à la puissance du Saint-Esprit qui agit lorsque nous chassons les démons au nom de Jésus, parce que nous discernons que cette maladie vient du diable. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous parlons de quoi? Vous avez déjà oublié? Nous parlons de quoi? De la puissance du Saint-Esprit qui agit quand nous chassons les démons au nom de Jésus, ayant discerné que cette maladie est causée par des démons. Qui agit? Qui agit? Au nom de qui? Et pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que? Avant le oui, après avoir discerné, il faut? Non? Il faut croire au nom de Jésus. C'est par la foi. Alléluia. J'ai vu des gens dire au nom de Jésus dans l'incrédulité. Quand le démon a réagi, ils ont fui. Ce n'est pas dans l'intonation de la voix. Vous m'entendez? Dans le bus, tu ne vas pas crier? Dans le bus, tu peux parler calmement. Esprit méchant, arrête de perturber cet homme. C'est pas parce que tu dis au nom de Jésus. Il faut qu'il y ait l'intonation de la foi. Pas de la voix, mais de la foi. C'est la foi qui compte. D'accord? C'est la foi qui compte.
Maintenant, écoutons, c'est le texte de notre conclusion. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute quoi? Et parce que car de quel ange s'agit-il? Vous vous souvenez que plus tard, Dieu a dit, je n'irai pas avec vous parce que vous êtes rebelles, mais mon ange, lui, ira avec vous et vous fera entrer dans le pays. Est-ce que Moïse a accepté? Quelle est la différence entre cet ange-là et celui-ci? C'est que cet ange-ci, le nom de Dieu est en lui. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un langage spirituel. Quand le nom de quelqu'un est là, c'est qu'il est là. D'accord? C'est que la personne qui porte le nom de cet autre est un avec le propriétaire du nom. Ils sont un. Vous comprenez l'image? Quand tu es marié, ta femme peut être ailleurs, mais ton nom est en lui. Pourquoi? Parce que vous êtes un. Donc cet ange-là, c'est ce que la Bible appelle l'ange de l'Éternel. C'est Dieu lui-même. Alors, quel est cet aspect de Dieu qui ne pardonne pas le péché? Ce n'est pas Jésus. Vous suivez? Donc, c'est un langage vétérotestamentaire de l'Ancien Testament concernant le Saint-Esprit. Vous suivez? Il parle du Saint-Esprit. Il dit, écoutez sa voix. Ne lui résistez point. Écoutez sa voix. Ne lui résistez point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Ce n'est pas son rôle dans la divinité. Dans la divinité, le rôle du pardon impute au Fils. Le rôle de l'amour impute au Père. Le rôle de la puissance impute au Saint-Esprit. Ils ont tous le même caractère, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions. Vous entendez? Maintenant que nous savons ce que c'est une allusion au Saint-Esprit, continuons pour voir la relation avec la guérison. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai qui? L'ennemi de tes ennemis. Et qui? Je vous dis, il ne faut pas avoir des ennemis dans la vie. D'accord? Mais le fait de ne pas avoir des ennemis ne veut pas dire qu'il n'y aura personne qui te considérera comme son ennemi. Vous voyez la différence? Je n'ai aucun ennemi sur la terre au moment où je vous parle, par la grâce de Dieu. Et pourtant, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Donc, qui se comportent en ennemi de moi. Quand quelqu'un se comporte en ennemi de toi, quelle est ta réponse? Si toi aussi tu le détestes, tu as failli. Jésus a embrassé Judas, il a appelé mon ami. Il n'y avait pas un pire ennemi de Jésus que Judas. Mais Jésus a dit, tu me détestes, mais je continuerai à t'aimer pour autant. Pourquoi? Parce que si quelqu'un se positionne comme ton ennemi, d'accord? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu devient l'ennemi de tes ennemis. J'insiste ici pour que personne n'utilise ce passage parce qu'il déteste quelqu'un. Et il va demander au Saint-Esprit d'enflammer quelqu'un que lui déteste. Le feu va te consumer avant de l'atteindre. Vous ne croyez pas, hein? Regardez les églises où on envoie le feu tout le temps. Il y a des témoignages, hein, que le feu agit.
Mais suivez cette église. Je suis dans la foi depuis de longues années. Suivez cette église. Cette église elle-même finira par brûler. Non? Regardez, vous allez voir. Regardez les chrétiens qui envoient du feu. Suivez-les dans la durée. Ils finissent par brûler. Donc, je ne veux pas que quelqu'un prenne ce passage et qu'il rentre ce soir. Seigneur, tu as dit, tu seras l'ennemi de mon ennemi. Voici, je le déteste. Tu détestes une créature que j'ai créée, pour laquelle j'ai sacrifié Jésus. Toi, tu la détestes. N'es-tu pas devenu mon ennemi? Alors, j'ai dit que je serai l'ennemi. Ça va commencer par toi. Le feu va commencer par toi. C'est l'ennemi de ceux qui s'érigent en ennemi contre nous. Dieu devient l'adversaire de ceux qui s'érigent en adversaire contre toi. Alléluia. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il y a souvent des incompréhensions de notre part. Mais il n'y a aucune contradiction. Aucune. C'est parce qu'on ne comprend pas bien. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira où? Dans un territoire occupé. Il est souverain. Il va t'introduire là-bas et il va t'imposer là-bas. Il va t'installer là-bas. Il va te donner de l'autorité. Mais pour que Dieu fasse ça, il faut qu'il voie de l'amour dans ton cœur. Parce que quand tes ennemis viennent maintenant et confesser qu'ils sont à ta merci, comment tu vas les traiter? Verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Pause. Point. Vous avez vu que Dieu appelle, après avoir vanté toutes les qualités de Job, il finit par quoi? Mon serviteur. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Regardez. Quand un chrétien a un bon comportement et qu'il ne sert pas Dieu, c'est un moraliste. D'accord? Il a, apparemment, il est droit, juste, intègre. Il se détourne du mal. C'est apparent. S'il ne sert pas Dieu, d'accord? C'est un moraliste hypocrite. Il y a de mauvaises choses qu'il fait en cachette. Ne prenez pas toutes les caractéristiques de Job et enlevez mon serviteur. Parce que si Jésus est ton Seigneur, comment tu fais pour ne pas le servir? Explique-moi un peu. S'il est ton sauveur, d'accord. D'accord? S'il est ton sauveur, tu peux ne pas le servir. Mais s'il est ton Seigneur, explique-moi comment tu fais pour ne pas le servir. Comment tu fais? Voici maintenant la récompense qui se trouve dans le service. C'est pour ça que j'insiste. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Verset 26, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il fera quoi? Et vous avez vu ça? Regardez. Vous en faites pas, on va continuer la lecture dans la suite. Restons d'abord là. Notre sujet, c'est quoi? C'est la guérison, n'est-ce pas? Et Dieu, il dit ici qu'il éloignera la maladie du milieu de toi. Ok? Quand je lis ça, ça suffit. Il dit, regarde, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu avant d'éloigner la maladie du milieu de toi. Comment, qu'est-ce qu'il va faire? Quoi? Il bénira votre pain et quoi? Ça veut dire votre nourriture et ce que vous buvez. Pourquoi? Parce que Dieu peut tenir la maladie loin, mais la maladie peut entrer au milieu de vous à travers la nourriture, à travers ce que vous mangez et vous buvez.
Est-ce que je me trompe? Les démons peuvent rester au loin à cause du nom de Jésus qui est en nous. Mais ils peuvent empoisonner ce que vous mangez. Vous entendez? Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Et vous prenez ce passage et vous l'adaptez avec toutes ces femmes, nos mères dans la foi. Et vous avez l'impression qu'il y a une contradiction. N'est-ce pas? Que Sarah ait attendu longtemps. Que Rebecca ait attendu 20 ans. Que Anne ait souffert, vous dites, c'est incompatible avec Exode 23. Attention, c'est une incompréhension. Exode 23 parle de quoi? Il parle de l'activité des dieux des Cananéens qui veulent empoisonner Israël en empoisonnant leur nourriture, en sèmant des maladies et en tuant leurs enfants ou en empêchant leur multiplication. Je me trompe? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on proclame le nom de Jésus et le Saint-Esprit entre en action. Continuons. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos à tous tes ennemis. Arrêtons-nous là. Vous savez, j'étais en train de parler avec un frère qui vient d'avoir un doctorat en biologie. Et il était en train de me parler d'une conférence à laquelle il avait assisté avec les collègues de son niveau. Il y avait des Marocains dedans. C'est pour ça qu'on parlait de ça. Et dans leur langage, ils parlaient toujours de population. Ils parlent de bactéries, hein, mais ils parlent de population. On retrouve une grande population de cette bactérie dans un coin de la terre. J'ai dit, mais répète. Et il parlait de population. Je dis, mais vous ne parlez pas des humains et vous parlez de population. Et il a commencé à m'expliquer combien de bactéries bienfaisantes il y a dans nos systèmes digestifs, notamment dans nos intestins. Et puis, pour m'aider, il dit, tu as déjà entendu l'expression flore intestinale? J'ai dit oui. Il dit, ouais, il y a une flore dans les intestins. Il y a une faune dans l'intestin. Ce sont des êtres vivants. C'est des populations des êtres vivants. Donc quand une population de virus vient pour vous détruire, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Je mettrai en déroute tous les peuples chez lequel tu es, qui soit humain, ou bien, tu es chez eux, hein? Regarde, si quelqu'un vient chez toi et il commence à faire ce que tu ne veux pas, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Si tu arrives à un endroit qui est colonisé par des bactéries, d'accord? Tu commences à avoir un autre comportement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir t'attaquer. Si tu arrives à un endroit qui est colonisé par les démons, tu es chez eux, non? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont t'attaquer. Si tu vas dans un endroit qui est colonisé par des humains qui sont d'une autre race que nous, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir te montrer que quoi? Tu es chez eux.
quand cela arrive, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la responsabilité de Dieu. C'est lui qui va envoyer la terreur. C'est lui qui les mettra en déroute. C'est pour ça que nous appelons le nom de Jésus. Dire au nom de Jésus, c'est une manière de dire, c'est toi qui vas le faire. Tu avais dit que tu vas le faire. Alors il dit au Saint-Esprit, entre en scène. Il n'y a aucune population qui peut te vaincre. Amen. Qui peut nous vaincre. Amen. Parce que nous avons le nom de Jésus. Amen. Mais il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. N'est-ce pas? Vous servirez l'Éternel notre Dieu. Vous servirez l'Éternel notre Dieu. Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Et ça, c'est une promesse. Je veux que vous sachiez que quand tu as une vie qui glorifie Dieu et que tu le sers, c'est normal que tu deviennes la cible de l'adversaire. C'est normal. Mais quand il se trouve que tu commences à devenir la cible, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles Jésus. Il sait qu'est-ce qu'il va dire à l'Esprit. Et l'Esprit sait qu'est-ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Il est notre Seigneur. Il est au milieu de nous. Et il règne parmi nous. C'est lui l'ennemi de nos ennemis. Et l'adversaire de nos adversaires. C'est lui qui bénit notre pain. Qui bénit nos eaux. Et qui tient les maladies à distance. Au nom de Jésus. Notre part, c'est de l'aimer. C'est d'avoir confiance en lui. C'est de l'adorer. Et de le servir. Le reste lui appartient. Le reste lui appartient. C'est lui qui bénit notre pain et nos eaux. C'est lui qui tient les maladies à distance. C'est lui qui envoie sa terreur au-devant de toutes les populations qui nous veulent du mal. C'est lui qui se lève comme l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. C'est lui, Jésus-Christ, et c'est la puissance de son esprit qui travaille pour notre sécurité, qui travaille pour notre protection, qui travaille pour notre santé. C'est lui qui le fait. Et nous avons confiance en lui. Nous avons confiance en lui. Nous l'aimons, nous le bénissons et nous le servons. Si tu as une peine dans le cœur contre une personne, si quelqu'un t'a fait du mal et cela a porté atteinte à ton âme, dépose ce fardeau maintenant. Ne regarde personne comme ton ennemi. Ne regarde personne comme ton adversaire. Notre adversaire, c'est le diable. Pardonne cette personne. Bénis-la. Fais-lui du bien. Quand tu as une occasion de lui faire du bien, fais-lui du bien. Quand tu as une occasion de dire du mal, même si ce mal est vrai, tais-toi, ferme la bouche. Quand tu as une occasion de dire du bien, dis du bien. Ne dis pas du mal. Prie pour lui. Bénis-la. Fais-lui du bien. Nous n'avons pas le droit d'avoir des ennemis humains. Nous n'avons pas le droit d'avoir des adversaires. Ceux qui nous regardent ou qui te regardent comme un ennemi, comme un adversaire, Dieu va s'en charger. Dépose ce fardeau maintenant.
Dépose ce fardeau. Dépose. Dis à Dieu la peine que tu ressens. Mais c'est dans ton âme. Ouvre ta bouche et dis du bien. Prie pour la personne. Bénis-la. Prie pour elle. Que l'esprit qui le contrôle cesse d'avoir de l'influence sur lui. Que l'esprit qui le trompe cesse d'avoir de l'influence sur lui. Que les pensées qui l'animent soient balayées par la vérité. Que la grâce de Dieu vienne sur ces personnes. Que la grâce de Dieu vienne sur ces personnes. Que la grâce de Dieu vienne. Alléluia. Alléluia. Père, au nom de Jésus, et conformément à Exode 23, conformément à Matthieu 12, je prie maintenant que ta bénédiction vienne et qu'elle demeure sur tout ce que nous mangeons et buvons. Que ta bénédiction vienne et qu'elle demeure sur tout ce que nous mangeons et buvons. Seigneur, éloigne la maladie du milieu de nous. Au nom de Jésus, donne-nous du discernement. Donne-nous du discernement tous les jours. Donne-nous un esprit plein d'assurance. Dans l'adversité, tu es avec nous. Car tu as dit que tu es en nous et tu es plus grand que celui qui est dans ce monde. Et tu seras toujours plus grand parce que tu es plus grand. Père, que ta bénédiction demeure sur tout ce que nous mangeons et buvons. Donne-nous du discernement par rapport à ce que nous devons manger ou boire. Donne-nous du discernement. Seigneur, s'il y a un pain, s'il y a une nourriture, un aliment, une boisson que tu ne peux bénir, que ces choses quittent nos maisons, que ces choses quittent nos habitudes, au nom de Jésus. S'il y a un aliment ou une boisson que tu peux bénir, que ces choses abondent dans nos maisons, maintenant, au nom de Jésus. Père, entoure-nous d'une muraille de feu. Entoure nos maisons d'une muraille de feu. Entoure ton peuple que nous sommes d'une muraille de feu. Et que toute maladie d'origine spirituelle reste loin de nous. Au nom de Jésus, que tout mal, que toute douleur, que toute souffrance, que toute maladie, que toute infirmité d'origine spirituelle reste loin de nous. Au nom de Jésus, et je prie que tu étendes ton peuple que nous sommes, que tu nous donnes de gagner du terrain avec ta vie en nous, avec le sacerdoce que tu nous as donné, avec le règne que tu nous as donné. Seigneur, étends-nous, étends-nous. Donne-nous de conquérir de nouveaux territoires pour faire avancer ton royaume, pour faire avancer l'évangile, pour faire avancer le règne de l'Esprit. Donne-nous de gagner du terrain maintenant. Donne-nous de gagner du terrain, car ces promesses, ces vérités, nous ne voulons pas les garder pour nous-mêmes. Mais nous voulons qu'elles envahissent toute la terre. Qu'elles envahissent toute la terre. Que les populations agressives reculent quand nous avançons. Que les non-agressifs reculent quand nous avançons. Que le nom de Jésus soumette tout autre nom là où nous nous trouvons. Que le règne de Jésus s'étende par la puissance du Saint-Esprit. Que le règne de Jésus s'étende par la puissance du Saint-Esprit. Que le règne de Jésus s'étende par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons maintenant une opération puissante de ta parole. Une opération puissante de ta parole. Une opération puissante de ta parole. En nous, autour de nous. Et dans des territoires de plus en plus vastes. De plus en plus vastes, Seigneur. Oh, hallelujah. Donne-nous de reconnaître
et de célébrer l'action du Saint-Esprit. Donne-nous de reconnaître et de célébrer l'action du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas parler comme les hypocrites et attribuer à Satan ce que le Saint-Esprit accomplit. Nous voulons célébrer tes merveilles. Quand nous les comprenons ou quand nous ne les comprenons pas, aujourd'hui nous savons que si un démon est chassé, ce n'est que par le nom de Jésus. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Nous laissons tout ce qui se fait à côté. Nous célébrons le règne de Christ, la domination de Jésus, la seigneurie de Jésus, qu'elle soit manifeste. Père, au nom de Jésus, je me lève maintenant contre tout mal d'origine spirituelle. Dans toute personne en ce lieu, je fais cesser ça maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui nous écoute maintenant, si pour une raison ou une autre, l'ennemi avait une emprise sur lui, je l'arrête maintenant au nom de Jésus. Toute douleur d'origine démoniaque, toute maladie d'origine démoniaque, toute infirmité d'origine démoniaque, toute maladie d'origine démoniaque est arrêtée maintenant et détruite maintenant au nom de Jésus. Je rappelle à l'ennemi sa défaite à la croix. Que Jésus soit célébré. Que sa victoire soit reconnue. Que sa victoire soit manifestée. Maintenant ici, à travers les ondes, là où on nous suit, que le nom de Jésus soit glorifié. Que l'œuvre de la croix soit célébrée. Que la puissance du Saint-Esprit soit reconnue maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est fait. Rendons-lui grâce. Alléluia. Oh, rendons-lui grâce en esprit. Rendons-lui d'excellentes actions de grâce en esprit. Oh, Alléluia. Rabashara da 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 da. Yondere gadariante pra la babo sarada gantere gentere babaragasha sagranda rabagonta rada geria karada bo sheketerede sragamara bandara ganteria da kromandara da da reske bere barakonto rabashara da gai ramandara da 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 da. Rendons lui d'excellentes actions de grâce. Remandaria ta kromandere de bo shatarada. Oh, Alléluia. Alléluia. Montrez à Dieu vos mains. Montrez à Dieu vos mains. Et dites après moi: Seigneur Jésus, nous avons vu aujourd'hui dans Luc 10 que les démons ont obéi à la voix de 70 personnes. Alors que tu n'avais que 12 disciples. Nous reconnaissons qu'il y avait 58 croyants. Et la puissance de ton nom a agi de la même manière. Avec la même autorité. Avec le même impact. Dans la bouche des apôtres. Et dans la bouche des simples croyants. Je me tiens devant toi. Comme un simple croyant. Et je te rends grâce. Parce que ton nom a la même puissance dans ma bouche. Que dans la bouche des apôtres. C'est pourquoi je crois maintenant. Les mains que je te présente. Lorsqu'elles seront imposées aux malades, les malades recevront la guérison. Je n'attends pas d'avoir l'onction. J'ai la foi en ton nom. Et ce soir, ma foi est encouragée. J'imposerai les mains aux malades avec l'assurance.
parce que le Saint-Esprit qui habite en moi agira, non pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. Garde-moi dans cette foi. Que je ne perde plus jamais cette assurance. Que les mains que je te présente vivent des miracles. Que les mains que je te présente administrent des miracles. Administrent ta guérison. Père, au nom de Jésus. Quand je parlerai, les démons obéiront. Parce que ma voix t'appartient. Dans le nom de Jésus. Ma voix t'appartient. Dans le nom de Jésus. Je me tiens en toi. En Christ Jésus. Je chasserai les démons. Au nom de Jésus. Et ils m'obéiront. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Irabo sagrand karababa shagrada. Robo raga santerodo. Ekere barababa shantorodo. Ira da 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 da. Raga da 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 da. Sur nos âmes, veillons sur nos âmes, veillons sur nos âmes, demeurons dans l'amour, demeurons dans la foi, exerçons l'autorité du nom de Jésus avec assurance, mais humilité, ça peut aller ensemble, avec humilité, simplicité. Et avec assurance. Et laissons les résultats au Seigneur. Laissons les résultats au Saint-Esprit. Seigneur, jusque-là, nous avons vu plusieurs causes et leurs solutions. Je me réjouis parce que pour cette cause, tu veux faire de nous des solutions par la foi au nom de Jésus. Vous savez, Dieu veut que tu sois la solution qui entre dans cette vie, qui entre dans cette maison et qui fait cesser le règne de l'ennemi. C'est une grâce. C'est une grâce. Seigneur, que ma vie soit la solution pour plusieurs.
que je m'en serve pour gagner les âmes, pour leur montrer que c'est Jésus et la puissance de son esprit. Le Seigneur va utiliser plusieurs d'entre nous de manière visible. C'est ce qu'il me dit de dire. Plusieurs vont être utilisés de manière visible. Et seront perçus par des nations comme des solutions. Mais n'oublie pas, pour ces causes démoniaques, la solution, c'est le nom de Jésus. La puissance de son esprit à travers ta foi, à travers ta foi, à travers ta foi, à travers ta foi. Il y a des agents d'expansion du royaume en ce lieu. Des agents d'expansion du royaume et de grandes conquêtes. Des agents d'expansion du royaume et de grandes conquêtes. Tout territoire occupé illégalement va être dépossédé maintenant. Il t'envoie, il m'envoie. Il t'envoie, il m'envoie. Il t'envoie, il m'envoie. Offre-lui ta vie pour l'expansion de son royaume. Offre-lui ta vie pour l'expansion de son royaume. Offre-lui ta vie. Oh Jésus. Merci. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Fais-moi avancer pour que ces populations reculent. Fais-moi avancer pour que ces populations reculent. Me voici avant moi. Fais-moi avancer pour que ces populations reculent. Envoie-moi, Seigneur. Au nom de Jésus.